C'est à la demande des Palestiniens que nous venons de témoigner. Ils sollicitent les sociétés civiles et les instances politiques internationales pour soutenir leur résistance populaire non violente, résistance à l'expansion de la colonisation et à leur enfermement par le mur. Ils demandent aux internationaux de participer aux actions de solidarité, du BDS dont nous avons parlé, de la flottille pour Gaza, de la protection des pêcheurs de Gaza. Et s'agissant d'un problème politique, nous sommes tous concernés pour faire pression sur nos instances nationales et européennes pour obtenir la fin des accords d'association avec Israël et la reconnaissance par l'ONU de l'État palestinien. Et nous entendons le cri des Palestiniens qui disent comme leur olivier, l'olivier a des racines profondes, nous sommes comme l'olivier, nous resterons.